Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et enfin, voici mon déballage de l'iPhone 7 Plus d'Apple. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai mis énormément de temps à l'avoir, bon, quelques jours, mais la vague médiatique autour de l'iPhone s'est un petit peu reposée. On est reparti pour le déballage de cet iPhone 7 Plus, malgré que vous l'avez peut-être vu sur d'autres chaînes YouTube. Moi, j'ai envie de faire mon petit déballage quand même. Allez, c'est parti. Donc du coup, bah, le carton est classique, mais à l'intérieur, c'est pas très très classique. Du coup, alors, on va le sortir comment? On va arracher, hein. Oh, j'ai hâte. Si vous saviez comme j'ai hâte. Le voilà. Alors, comme vous avez pu le remarquer, c'est un iPhone 7 Plus couleur noir mat. Il existe différents coloris, le rose gold, le gold, le argenté. Il existe le noir de jet et le noir mat. J'ai voulu me prendre le noir de jet dans un premier temps, mais apparemment, même Apple le dit, il prend énormément les rayures et les traces de doigts. Donc j'ai préféré me maintenir et rester sur le noir mat. Donc du coup, c'est un 7 Plus noir mat, 128 Go. Étant donné qu'il y a plus de 64 Go, j'étais contraint de prendre le 128. Ouais, je sais que c'est un petit peu con de dire ça, mais 32 c'est trop peu, 128 c'est trop. 64 Go c'était vraiment parfait, là ils l'ont enlevé, donc du coup j'ai dû passer à la tranche supérieure. Du coup, l'iPhone, le voilà. Ils ont inventé une petite languette pour pouvoir l'ouvrir d'un seul coup. Donc mon couteau ne sert absolument à rien. Attention les amis. Oh merde. Oh les boules. C'est directement les papiers d'utilisation. Donc ici on a le welcome, l'utilisation du bouton home, parce qu'apparemment il y a un nouveau bouton home, l'outil pour sortir sa carte SIM, et on a les petites pommes d'Apple juste là. De toute façon, tout ça on n'a pas besoin, on va jamais le lire, hein, entre nous, et on s'en fout, on va pas le remettre. Et l'iPhone, le voilà. Voilà l'iPhone. Oh là 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 là. Ça fait plaisir de l'avoir en main, si vous savez. Ça fait plaisir. Bon, le reste du contenu de la boîte, c'est classique. Un adaptateur secteur pour brancher son appareil. On a le câble Lightning pour recharger son appareil ou pour le synchroniser sur iTunes via son ordinateur. Et finalement, on a les AirPods d'Apple qui ont une particularité, c'est que cette année, si j'arrive à ouvrir cette petite boîte, eh bien c'est un câble Lightning qui est à l'intérieur, parce que vous savez, on n'a plus de port jack sur cet iPhone, mais je vais pas vous le répéter, vous le savez déjà vu le nombre de vidéos que vous avez vues sur l'iPhone. Du coup, eh ben, on a les AirPods et on a aussi l'adaptateur Lightning vers jack 3,5, sympa d'Apple de les avoir fournis. Ouais, c'est plutôt cool. Du coup, c'est tout pour la boîte. Maintenant, eh bien, on va voir l'iPhone en lui-même, que voilà. Ah là là, je suis vraiment super content de le déballer avec vous, en live aussi. Donc allez, c'est parti. On enlève ça. On enlève ça. Et le voilà. Le bel iPhone. Donc du coup, moi, je suis passé sur la version supérieure, le 7 Plus. Vous savez que l'an dernier, j'avais pris le 6S classique, parce que je préfère les plus petites versions de téléphone, je vous avoue. Mais là, je voulais vous faire une vidéo sur l'aspect global des fonctionnalités de l'iPhone 7, étant donné qu'il a un double capteur juste là, mais on va en parler dans mon test complet. Du coup, j'ai préféré me tourner vers la grande version. Donc, du coup, on va le démarrer quand même, ce nouvel iPhone, pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qu'il y a dessus. La configuration, malgré qu'elle reste classique, on a toujours la même configuration. Le Wi-Fi, sa carte SIM et tout ça. Ok, du coup, donc nous voilà là-dessus. On va déverrouiller. Je veux déverrouiller. Oh la vache. Oh, le bouton home, il est spécial. Donc on va directement retirer notre carte SIM pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Putain, t'es dur. Et du coup là, configuration classique, français, France. Je parle français, il me semble. On configure son réseau Wi-Fi. Ok, la localisation, on active ou non. On va configurer Touch ID, allez, pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est exactement le même Touch ID qu'on avait sur les précédentes générations. Alors, app et données, moi je vais le configurer, merde, comme un nouvel iPhone, mais on peut aussi migrer d'Android. Donc si vous êtes utilisateur d'Android, vous pouvez utiliser l'application d'Apple dessus pour pouvoir migrer vos données, mais sinon vous configurez comme un nouvel identifiant. Et ensuite, comme un nouvel appareil, pardon, et ensuite vous mettez votre identifiant Apple si vous en avez un. Configurer Siri, alors,
Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri. C'est moi. Voilà, donc Siri est désormais prêt. On peut envoyer le diagnostic ou pas, moi je vais pas l'envoyer. Et on peut démarrer le nouveau bouton Home parce qu'aujourd'hui, sur le 7 Plus d'Apple et sur le 7, il n'y a plus de bouton Home physique. Cette fois-ci, il est tactile, donc on va voir ce que ça donne. Appuyez sur le bouton principal. Ah oui, d'accord, faut appuyer fort quand même. En fait, c'est comme si vous cliquiez, ce que là, c'est tactile. Mais ça change pas grand-chose. On peut choisir la présentation, agrandi ou normal. Moi, je vais faire normal. Et nous voilà sur l'iPhone 7 Plus d'Apple, les amis. Donc, bien sûr, je vais vous faire une vidéo test complet sur cet iPhone. Pour l'instant, je vais l'utiliser, voir un peu ce que ça donne. Je vais le tester, hein, comme avec tous les autres smartphones. Et donc, du coup, vous aurez pas un test complet maintenant, mais d'ici une semaine, je pense, qui sera disponible. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mon déballage de l'iPhone 7 Plus d'Apple vous a plu. Bon, vous avez sans doute dû en voir beaucoup sur YouTube, parce que beaucoup de YouTubeurs en ont parlé de ce nouvel iPhone. Mais moi je voulais faire une petite vidéo quand même pour vous partager mon petit déballage et ma découverte de cet iPhone. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.